Comme vous pouvez le constater, mon jeu concours est toujours en cours. Toutes les informations, les liens, etc. sont dans la description. Vous envoyez à l'adresse mail la participation pour le dashboard 5 ou 10 pouces. Bref, ou alors vous allez dans mon ancienne vidéo spéciale concours dashboard, l'équipe. Sur ce, nouvelle vidéo. Je sais que là il y a eu une petite latence entre mes vidéos de base actuelle et tout parce que j'ai eu des travaux à faire à la maison, donc j'ai refait un peu la baraque en priorité quoi. Mais à partir de la semaine prochaine normalement ça va repartir de plus belle l'équipe. Et en attendant aujourd'hui, présentation à tous les streamers, que ce soit youtubeurs, twitchers, tiktokers, instagrammeurs et hein, bref, dans tous les cas, je vous dévoile aujourd'hui une astuce qui m'a été donnée, l'équipe, par le fameux frérot, la légende épique de TikTok, les gars, et de Instagram. Je pense que la plupart qui me suivent le connaissent déjà et le suivent aussi. Si ce n'est pas le cas, allez directement vous abonner à sa chaîne TikTok, YouTube, Instagram. C'est Lyric Sanders, l'équipe, qui fait du rallye spécialement hot lap et qui s'est récemment mis à Assetto Corsa Competition, ce qui fait plutôt plaisir, l'équipe. Et il m'a transmis cette petite astuce que je vais du coup moi-même vous transmettre. Alors, à l'époque, c'était une espèce de galère, une mission pas possible pour streamer et sur TikTok depuis un ordinateur et en même temps sur Twitch ou sur d'autres plateformes de streaming, parce que bah déjà le multi-streaming normalement c'était payant, c'est un abonnement qui est payant, à moins de passer par internet et restream et tout ça, ce qui fait que vous streamez d'abord sur mettons OBS ou Streamlab, que vous envoyez restream et restream renvoie sur vos dispers. Bref, c'est une galère encore une fois, voilà. Ensuite, il y a le système de paiement, donc oui, vous pouvez avoir sur Streamlab ou autre un abonnement mensuel ou quoi, et du coup, vous pouvez streamer sur plusieurs plateformes à la fois en payant. Et bien entendu, il y avait toujours ce problème de TikTok parce qu'on n'arrivait pas à avoir la clé de stream, etc. Très rares sont ceux qui l'avaient. Bref, du coup, c'était une galère si on pouvait pas passer par le TikTok studio spécialement dédié pour les streams. Donc il y en a, ils faisaient des virtualisations de caméra, comme j'ai pu le faire auparavant pour essayer. Donc c'est-à-dire que tu passais par OBS, tu installais le plugin vertical et tu créais tes scènes, tes trucs et tout. Ensuite tu fais virtualisation de caméra, tu ouvres le TikTok studio et tu récupères ta virtualisation de caméra. Mais pour ça, ça nécessitait d'engendrer deux fois plus de gourmandise en niveau de perf, parce que, bah, évidemment, tu n'utilisais pas un logiciel on en utilisait deux, et en plus de ça, le système, donc la carte graphique, le système d'encodage, devait doublement encoder pour un logiciel, qui était OBS, et l'autre TikTok, et ça divisé sur deux plateformes à la fois. Je vous le dis, aujourd'hui, tout ça, c'est terminé grâce à monsieur Lyric Sanders, le frérot, l'équipe. Il m'a fait trouver un système. Du coup, on va passer sur le PC directement et je vais vous montrer ça, l'équipe. C'est parti. Let's go, l'équipe. On se retrouve, du coup, sur l'ordi. Alors, qu'est-ce qu'on va ouvrir? Il faut que vous téléchargiez la dernière version de Streamlab OBS. Donc, on va l'ouvrir.
Hop. Donc, il est ouvert. On peut voir donc là-dessus que, bon, moi, j'ai déjà tout déjà préinstallé, réglé, que j'ai ma sortie horizontale et ma sortie verticale. Il n'y a même pas besoin de plugin, l'équipe. Il y avait juste depuis des années à aller chercher, en fait, tout simplement, dans paramètres, sortie, vidéo, voilà, vous voyez. Et normalement, vous avez que la sortie horizontale. Et sur tout en haut à droite, là, il y a marqué activer dual output, l'équipe. Vous cliquez là-dessus et automatiquement, sans plugin, sans rien, il vous met votre sortie horizontale, votre sortie verticale, l'équipe. C'est une dinguerie. Ça fonctionne nickel. Donc, vous pouvez même régler indépendamment les résolutions de base, les FPS, etc., des deux sorties directement et instantanément. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, bien entendu, vous mettez vos scènes et tout, et elles sont toutes synchronisées, vous voyez, les unes avec les autres. Donc que ce soit en 9/16e ou en 16/9e, dès que vous changerez un truc, ça changera et sur TikTok, admettons, et sur Twitch ou YouTube où vous le souhaitez. Maintenant, pour activer, en fait, le dual channel, enfin, votre sortie, il faut que vous alliez, bon, moi, je suis déjà connecté, du coup, là-dessus, mais tout en bas, là, où il y a marqué logged, en fait, connexion, vous vous connectez, merde, là, je vais pas me dé... Attendez, paramètres, on va faire comment, sortie, non, général, non, c'est où? Attendez, hop, voilà, streaming. En fait, vous, quand vous avez le logged en bas, vous vous loguez directement sur votre compte TikTok. Maintenant, c'est possible, grâce à la dernière mise à jour en plus, je crois, ou peut-être même celle d'avant ou avant encore, vous pouvez directement ajouter TikTok. Et en fait, il va vous demander quoi? Soit vous le rentrez manuellement, soit vous scannez, si vous avez TikTok sur votre téléphone directement, vous scannez le code QR. Et vous mettez le numéro de code de sécurité qui vont vous être envoyés et il va vous connecter directement. Ensuite, du coup, c'est ce que je disais, vous vous rendez dans paramètres. Donc, vous allez dans stream et là, vous avez les différentes plateformes. Là, on peut le voir, du coup, moi, j'ai TikTok, Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, Trovo, Twitter, etc. Vous ajoutez, donc vous vous associez à votre compte Twitch. Et ou YouTube ou autre Facebook ou quoi, si vous voulez. En fait, vous associez en priorité d'abord, vous vous connectez avec logged en bas sur TikTok, parce que c'est le principal pour la version 9/16e. Ensuite, vous vous loguez avec dans stream sur la partie 16/9e que vous voulez streamer. Donc, que ce soit YouTube, Twitch, etc., on s'en fout. Et ensuite, une fois que c'est fait, donc là, on voit très bien que voilà, je suis connecté, associé et tout ça. Vous avez juste à faire diffuser en direct. Et là, vous avez vos deux plateformes. Et c'est gratuit. C'est à partir de 3 multi-streaming. C'est-à-dire, si vous voulez rajouter encore un stream, que vous allez devoir payer. Mais le dual channel est gratuit. Sans plugin, sans rien. Directement sur Streamlab, l'équipe. Avec un seul système d'encodage. Et du coup, un seul logiciel ouvert. Qui prend du coup beaucoup moins de ressources au processeur et à la carte graphique pour le système d'encodage, l'équipe. C'est une dinguerie. Donc, bien évidemment, vous voyez que vous pouvez même choisir vous, si vous voulez la mettre en vertical, en horizontal. Donc là, c'est réglé. Vous réglez votre titre, d'accord, pour le TikTok. Le jeu, vous mettez bon, comme d'hab ce que vous voulez. Ensuite, vos paramètres Twitch, voilà, tac, tac. Et ensuite, vous faites envoyer, confirmer et ça diffuse. Nickel. C'est tout simplement magnifique. Franchement, moi là, c'est pour moi, ça c'est vraiment un game changer de fou. C'est un truc de fou furieux. Vraiment. Parce que du coup, je vous mens pas. Comment ça s'appelle? À cause de tout ce système à la mort moineux de TikTok là. Qu'il fallait passer absolument par leur TikTok studio parce qu'on n'avait pas les clés de stream, parce que si, parce que ça, j'avais carrément arrêté de streamer sur TikTok parce que sinon il fallait faire la virtualisation de caméra, fallait activer deux logiciels, fallait que du coup quand vous changez les scènes sur, admettons, Streamlab, il fallait également les changer
sur l'autre logiciel et tout. Bref, c'était une galère sans nom, c'était infernal. En plus, les performances, elles étaient amoindries parce que ça prenait beaucoup plus de ressources. Alors que tout ça, maintenant, c'est réglé grâce à monsieur Lyric Sanders, l'équipe qui m'a transmis ça. Et du coup, je vous le retransmets, les gars. Donc, bah voilà, l'équipe, hein. Petite vidéo assez courte, mais bah, j'espère qu'elle aura pu vous être utile pour au moins les streamers et même d'autres qui veulent utiliser une double application comme ça peut toujours être utile, gratuitement, pas gourmand, du moins moins gourmand qu'à l'ancienne, et bah, facilement accessible pour tout le monde de l'équipe. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager au max.